Blop 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 les amis, c'est Broxy, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite à tous la bienvenue pour une nouvelle aventure sur Minecraft sur la map Deadly Orbit. Mayday, mayday, mayday. Bon, comme vous l'avez remarqué, on démarre une toute nouvelle aventure sur la map Deadly Orbit. Voilà, je suis avec Mac Magnum. En fait, là, t'étais quand même censé dire quelque chose. Alors, Deadly Orbit, qu'est-ce que c'est? C'est une map tout simplement aventure sur le thème de l'espace. En gros, notre vaisseau s'est écrasé en chemin et le but, voilà, c'est de survivre. Il y a différents objectifs, plein de petits trucs à faire et la map est assez sympa. Donc voilà, j'ai envie de partager cette aventure avec vous. Bon, alors le premier objectif, ça va être de rejoindre tout simplement la station spatiale internationale qui se trouve quelque part par là. En fait, tu sais où on va ou pas du tout? Ouais, bah, je suis déjà venu ici plusieurs fois en camp d'été quand j'étais en 5ème primaire. Alors ça ressemble, ça doit être par là-bas, ouais, c'est ça, on ouais. Dirait que c'est ça, ouais. Le truc gris. Il s'est passé quoi avec toi? Attention, il y a un squelette. Comment t'as écoute, volé? moi je suis déjà sur le toit. Bon, alors en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on a mis un petit effet là, on a mis un truc de lévitation et de saut amélioré. C'est pour ça qu'avant tu t'es fait shot par un squelette et t'as giclé à 10 km. Ah, voilà, on est enfin arrivé à la base. C'est le truc trop monotone. Ah, l'air frais de la base. Alors, on commence par explorer par où? Quelle section? Bah écoute, moi je vais par là tout simplement. Hein. Bah écoute, je te suis, puis bon, essayons de récupérer tout ce qu'on peut. Ouais, Alors, ça c'est l'épreuve du feu de Koh-Lanta. Donc, explorons peut-être les autres sections. Ouh, attention, fais gaffe! C'est on les là, amène là, dans ça, le coin gauche, on les amène dans le coin gauche. Vas-y, ils vont bien finir par crever je là. Je pas touché, ils sont contaminés visiblement. Ils ont perdu les contrôles de la base. Ok, tranquille, on continue. Ouf. Un cookie et des silex. Ok. Ah, c'est le hammam dont tout le monde parlait. Le fameux hammam de la station spatiale internationale. Je crois qu'on est dans le réacteur. Tout va bien pour de chaleur jusqu'ici. Attends, t'as des blocs toi pour aller là-bas de l'autre côté du hammam? Non, mais j'ai une technique qui va nous faire sortir plutôt très rapidement. Ça va être quoi? La technique de sortir par le trou du réacteur, tout simplement. Ah bah merde, attends, il nous faut... Le sortie la plus expéditive du jeu. Faut aller d'abord sur ce petit rebord gris, sur le coffre. Et après? Après, ça ne marche plus. Il faut d'autres blocs. Hop, on va mettre. Ça sent un petit peu le cheat par là. Hein. Écoute, je tente le jump. Hein. C'est bon. Non, mais c'est bon, à part ça, je suis là. Je te suis, mais sauf que moi, je suis dessus le vaisseau. Ah, il y a des. Ah, les survivants de la station, ils sont là. Brant, c'est vous. Temps de remettre tes fils sur terre, les gars. Tu fais quoi là, en fait? Et hop. Ah, je t'attends. Alors, reviens, suis-moi. Hop. Bon. Reprenons un petit peu et puis essayons de faire quelque chose là. Bon les amis, pour conclure, on est complètement pourri sur cette map, c'est juste un petit peu trop compliqué avec tous ces... Wow. C'est trop compliqué pour nous. Et maintenant, si on pouvait désactiver la gravité, ça serait sympa. Non mais attends, le principe c'est qu'on arrive sur Terre dans 10 000 ans en fait. Donc on a décidé de retourner sur Terre avec nos petits vaisseaux pourris. As-tu un dernier mot? Non, ok, bon. Peace les amis.